et Bouma, et surtout sur quand il a dit que la concurrence ne devait pas être une raison. Même si sur son document, ils ont juste mentionné la concurrence parmi les raisons et tout. Mais moi, mes préoccupations, j'en ai plusieurs. Comprenez-moi, je suis élue de Matadi. Donc, la première préoccupation, ce sont les tracasseries au niveau des agents dans les ports. Donc, le circuit est lourd. Donc, il faut de l'argent avant le retour vide, argent avant la validation quelconque des instructions, argent avant le chargement. Donc, c'est des tracasseries qui pèsent pour les pauvres aux opérateurs économiques. La situation de port, vous avez été franc, les engins sont vétustes, il n'y a pas d'engin. À Matadi, le port, il y a actuellement un seul engin Calmar pour le déchargement de toute la cargaison qui arrive. Et cet engin fume, parce que j'ai les vidéos. C'est un engin, le seul engin, donc cet engin, s'il tombe en panne, le port est bloqué. Vous avez parlé de vous avez dit que la concurrence ne devait pas être une raison. Mais aujourd'hui, quelle est la politique mise en place aujourd'hui par votre comité de gestion pour régler ces questions qui sont vitales? Est-ce que vous nous avez parlé aussi d'un engin, je crois, qui était d'une locomotive en panne. Donc vous avez une locomotive et une autre locomotive en panne. Ça, c'est pour les trains urbains. Mais quelle est la politique que vous avez mise en place pour résorber ce genre de problème? Parce que c'est des problèmes qui sont quand même importants pour la société. Parce que si on a un engin qui fonctionne et que cet engin bloque, c'est quand même le port qui cesse de fonctionner. Donc il y a une autre question, c'est concernant la RLT, la Redevance Logistique Terrestre. Ce fonds qui était mise en place pour censer aider aux travaux d'aménagement. Mais aujourd'hui, ça sert à quoi et où va cet argent? Parce qu'aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer. Et ce fonds, au départ, a été mis en place pour un certain temps. Un certain temps. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que des années après, les gens continuent de payer ces taxes qui ne servent à rien. C'est un peu comme... Je me réjouis aussi que vous puissiez passer aujourd'hui avant le ministre de Transport parce qu'il y a certaines réponses ou certaines informations que nous avons qui pourront nous aider avec la suite parce que vous nous demandez de vous aider, mais on ne peut pas vous aider alors qu'il y a le ministre de Transport aussi qui vous dépend.